Bonjour à tous et à toutes. Alors en ce moment chez Lidl, de la marque Silvercrest, on trouve un mini aspirateur à main sans fil. Voilà. Donc sur les photos, voiture, informatique et même gonflage de matériel pneumatique style matelas gonflable pour aller à la plage ou toile de tente, étoile de tente, là pour dormir. Donc pas pour gonfler les voitures. Hein. Alors, on va le déballer et on va voir comment il se compose. Alors, on l'ouvre. En ouvrant, on trouve la petite notice d'utilisation. Ici, nous avons donc l'aspirateur en lui-même. Un embouchusseur avec la brosse que vous ramenez devant. Si vous la voulez pas, vous la reculez. Voilà, il y a deux crans, tac, 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 trois pour aller serrer la brosse, mais deux pour le reculer en arrière, mettre en arrière. Il y en avait, vous avez un embout de gonflage pour les matelas. Un deuxième avec un biseau, toujours pour gonfler des styles de d'objets pneumatiques, et un câble de charge USB-C. Voilà, maintenant on va voir la machine en elle-même. On la sort de son plastique. Voilà comment elle se présente. Donc le bac récupérateur de saleté, le moteur, ici la partie où vous allez mettre les embouts pour souffler, de lumière, on va voir en sortant, elles se sont allumées, on va les éteindre. Donc il y a deux lumières pour voir ce que vous faites. Ici vous avez le témoin de charge, voilà, il reste deux points de lumière, donc il va falloir le mettre en charge après, pour être sûr d'avoir une bonne autonomie. Donc en mode soufflage, voilà, ce sera l'embout qui se met à l'arrière de l'aspirateur. Vous ne voulez pas, vous allez le sortir comme ça. Et c'est reparti. Voilà. Il s'est mis en route encore. C'est moi qui pousse les doigts où il faut pas. Pour utiliser un aspirateur, vous pouvez aussi le mettre dans ce sens-là. Et ça vous fait la poignée pour faire l'aspiration. Alors, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que ça vaut à l'usage? Est-ce que c'est vraiment performant? Bon, on va tester ici. J'ai de la saleté hein, commune. Hein. On garde toujours les petites feuilles des fois qui se retrouvent. Sous les pieds et puis on les dépose en rentrant, ou ça peut aussi être n'importe quel, hein, les miettes de pain sur la table. Ici un peu de tout, surtout du sable. Hein. Imaginez pour ceux qui sont à la plage et dans leur voiture, ils ramènent le sable, ils vont nettoyer la voiture, il y a un petit coin où ça passe pas, peut-être avec lui ça va passer. Donc on va voir si ça avale bien le sable aussi. Allez, c'est parti, on essaye d'abord sur les feuilles. Ça marche. Le sable. Alors volontairement, j'ai fait qu'un passage au milieu. Il n'y a plus un grain de sable là. Il y a toujours le sable ici. Et le sable ici. Donc il faut voir aussi si en souffleur, ça marche aussi bien. Donc je retourne mon aspirateur et je mets en souffleur. Voilà. Vous voyez, ça a été enlevé. Hop.
Pareil. Donc ça peut vous faire souffleur, aspirateur, gonfleur. Et en plus, si vous êtes en panne de lampe électrique dans le noir, eh ben, vous pouvez toujours la voir. Ça vous fera, bon, il fait jour, mais on voit quand même le faisceau. Ça vous fera une lampe électrique de dépannage. Voilà. Assez puissante, qu'on peut voir comme ça reflète. Allez, voilà. Donc, ça vous intéresse, à ce moment, il est chez Lidl. Ah oui, et puis pour le démonter, ben, comme tout aspirateur, on prend les deux mains d'aspirateur, on desserre ici, on sort le filtre et on vide la saleté. Voilà, une fois ouvert, ça donne ça. Vous avez un tout petit filtre. Là. Et là, vous avez le récipient avec toute la saleté qui est bien là au fond. Voilà. Vous remontez tout ça, vous le rangez à quelque part dans votre voiture, ça prend pas beaucoup de place et ça peut vous dépanner. Voilà, allez, sur ce, je vous dis à plus. Ah oui, il est à 19,99€. Allez, bye bye.